est un choléo. Par conséquent, monsieur le Premier ministre, le Katanga ne collaborera pas avec monsieur Etienne Tshisekedi. Nous refusons. La Tunaseva, tu l'as répété, Etienne Tshisekedi et les siens, ce sont des biloulous. Ibalani, babiloulous. Tunaitika politique yako ya kusema musiki tunaprefere de loin kusikizana na Mobutu ke kuitika domination ya Makasai hapa peto hapa tunakatala. Tunayua asema hatuna batribaliste, hatuna baxenofobe, hatuna baseparatiste sheba toto ya Katanga. Mais le monde entier, l'opinion tant nationale qu'internationale, doit savoir que nous n'avons pas de problème, avec nos compatriotes de l'Équateur, de Basaï, de Bandung, de Kivu, de Maniema, pas Kabilulu. Alors, est-ce que Bakatanga n'est pas tribaliste? Est-ce que Bagatangeni va être séparatiste? Ton attaque, il est pancarte et dans ses maïvi. Monsieur le Premier ministre, Wende Okaseme Kwa Mobutu, qu'il y ait une conférence nationale pour trancher ce litige Katangé Kasaye. Allons à la conférence nationale avant qu'il ne soit trop tard. Tout le monde peut rester ici. Les Katanga demandent que l'autorité suprême de ce pays tranche ce conflit. C'est-à-dire Kasaï en avant marche pour la vacation. Mes compagnons de l'Union sacrée, ils m'ont vilipendé, injurié, calomnié, poignardé. Je leur rendrai aujourd'hui la monnaie de leur pièce. Cela suite à des discours xénophobes prononcés depuis le mois d'août par Jean Cour, à Karl Ligonde, alors Premier ministre, et son lieutenant de gouverneur Tungwa Kumwanza. C'est ainsi que, à la suite de ce discours haineux, des bandes organisées et entretenues de la jufferie s'attaquent aux Kasaïens, et c'est dans ces conditions que Lungaka Soumbi trouvera la mort massacrée, trucidée. Voyez là les différentes plaies causées par